Paris. Moi, quoi donc? Comment ça, mon cher? Là! Sur ce promenable, là, bien dit comme ça. Il fait, oui. Et nous ne serions pas tous là crever la faim. J'aurais de te planter deux magnifiques corps. Je fais, mais toi plutôt, tu es habillé en babasse comment?
Oh mon Dieu, Cromo! Qui sont-ils? Mais ce sont des pantins! Et ils sont dans le rêve aussi! Allez, dansons! On va pas! Place! Dansons! Laissez-moi passer! Oh, mais c'est Spitzy! Mais toi aussi! Et où vas-tu, mon ami? Laisse-moi! Je n'en peux plus! Je vais en finir! Comment ça en finir? Avec cette corde! Venez! Tu es en train de le rêver que tu te pends! Oh mon Dieu, Cromo! Te... Bon rêve! Spitzy va se pendre, Cromo! Spitzy dort bien tranquillement dans son lit comme un gros bébé! Non, je t'ai dit qu'il va se pendre pour de vrai! Spitzy dort tranquillement dans son lit! Je t'ai dit qu'il va se pendre pour de vrai! Oui, bien présent! Vous allez voir si c'est en rêve que je me pends! Vous voyez encore la vie à l'intérieur des limites du naturel et du possible. Je vous avertis que vous ne comprendrez jamais rien ici. Par la grâce de Dieu, nous sommes en dehors de ces limites. À nous, il suffit d'imaginer, aussitôt les images deviennent d'elles-mêmes vivantes. Il suffit qu'une chose soit très vivante en nous et elle se matérialise par la vertu spontanée de sa propre vie. C'est le libre avènement de toute naissance nécessaire. Et alors, d'où vient le plan? Tout seul, en moitié, il ne pouvait pas s'en aller à mon bébé. Poursuivez, poursuivez, demandez, demandez comme dans le texte. N'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est vrai? C'est vrai? Un enfant de 6 mois. Comment pourrait-il? Mon Dieu, elle! Vous observez, poursuivez, de quoi de vos surprises? C'est vous qui les avez attirées. Dites, demandez dans le texte. Quand je l'ai pris, là, j'étais sous le lit. Tombez. Poursuivez. J'ai voulu vous donner, comtesse, une preuve que votre fable ne peut vivre qu'ici. Et vous voulez continuer à la porter parmi les âmes. Soit. Voilà les cieux! Ils descendent de la montagne!